Ok, je vous remercie de me donner l'opportunité de parler de nos chers lions indomptables que le chef de l'État a invité à faire aussi bien qu'en 1990 et 1982, c'est-à-dire pendant cette Coupe du Monde qui s'annonce au Brésil, d'aller au minimum au quart de finale, si on s'en tient à son enthousiasme lors de son discours prononcé à la nation à la fin de l'année. Cet appel nous a tous interpellés ici dans la diaspora. Et c'est comme cela que, via notre association Solidarité Nord-Sud, nous avons décidé d'aller les soutenir, de leur apporter la bénédiction des Camerounais de la diaspora pendant les matchs préparatoires qu'ils vont livrer au Portugal. Hein, ce sera le 5 mars, n'est-ce pas, à Leiria, non loin de Lisbonne. Nous avons mis sur pied, n'est-ce pas, une organisation très simplifiée, c'est-à-dire que nous allons organiser un charter qui partira de Bruxelles le 5. Le match, on ira au match à 20h45, on dormira à Lisbonne et le lendemain, retour à l'aéroport international donc de Zaventem. Le package est très à la portée de tout le monde, c'est 180 euros et il comprend le ticket d'avion, le ticket de stade et bien évidemment une nuitée. Donc ce sera deux par chambre. Donc, il n'y a que l'hébergement qui n'est pas pris en compte dans ce package, mais je crois que pour une nuit, chacun peut, n'est-ce pas, se débrouiller. Après ce match, nous espérons que ce sera la déferlante, n'est-ce pas, contre la Mannschaft le 1er juin, où il y aura des bus qui partiront de Bruxelles, Charleroi, Liège et Namur, afin d'aller justement donner la dernière onction aux coéquipiers de Samuel Eto'o pour qu'ils aillent faire trembler le monde entier pendant cette Coupe du Monde. Nous avons beaucoup de foi en eux. Nous avons vu ce dont ils sont capables contre la Tunisie. Ils ont fait un football remarquable et cela a suscité de nouveaux espoirs au sein de tous les supporters des Lions Indomptables. Nous ne pouvons que dire un seul mot. Inscrivez-vous, un seul mot les Lions Indomptables, faites-nous vibrer. Il est important de souligner que, compte tenu du nombre de places limitées, il n'y a que 50 places, nous avons fixé la date limite d'inscription au 20 février, c'est-à-dire la semaine prochaine. Et je rappelle que les billets d'avion sont fluctuants, ce sont les billets low cost, il faut le dire, pour que nous puissions avoir cette réduction. Et c'est ce paramètre-là qui nous amène à payer les tickets d'avion le plus rapidement possible, parce que ça peut être modifié à tout moment. Donc on invite tous ceux qui souhaitent aller suivre ce match Portugal-Cameroun à prendre la tâche avec nous le plus rapidement possible et faire leur réservation afin que nous puissions au plus tard le 20 boucler la phase de la réservation de l'avion et bien évidemment la réservation de l'hôtel et les tickets de stade. Merci.